Suite au retrait des trois pays de l'AES, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le Conseil national de transition félicite la décision, encourage les présidents de transition de ces pays. Le premier vice-président du CNT, Assarid Ag Imbarkawan, s'exprime au micro de Abdulkarim Kaba. Conseil national de transition, considérant les communiqués conjoints des trois chefs d'État du Burkina Faso, la République du Mali, la République du Niger en date du 28 janvier 2024, considérant que les objectifs assignés à la CEDEAO étaient entre autres l'appui aux États membres en vue de créer un grand espace d'intégration devant aboutir à une union économique. Considérant que les objectifs fondamentaux recherchés par les pères fondateurs de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO le 28 mai 1975 à Lagos ont été détournés au profit d'intérêts des puissances étrangères. Considérant que la CEDEAO est devenue par ailleurs, au fil des ans, un instrument de menace contre les peuples avec des sanctions n'ayant aucun fondement juridique, donc illégitime, illégal, inhumaine et irresponsable. Considérant les récents communiqués des sommets des chefs d'État de la CEDEAO qui brandissaient des menaces d'intervention militaire au Niger au moment où ces pays engagent la lutte contre le terrorisme avec des résultats probants. Considérant qu'après 49 ans d'existence, le bilan de la communauté n'est pas élogieux en matière d'intégration des peuples et de l'amélioration du niveau de vie de nos peuples que nous représentons. Appréciant les aspirations légitimes de nos peuples et l'engagement conjoint des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans leur combat contre le terrorisme et les crimes organisés en respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Considérant que la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, le 16 septembre 2023, vise à mutualiser les forces en vue de faire face aux défis communs. Considérant l'importance des initiatives parlementaires dans la consolidation de cette alliance sous-régionale est indéniable. Considérant le manque de solidarité des États de la CEDEAO en faveur des États de l'AES dans leur lutte au quotidien contre le terrorisme au Sahel, le Conseil national de transition loue les efforts diplomatiques déployés par les États de l'AES, Alliance des États du Sahel, en vue de leur rayonnement sur la scène internationale et de leur quête de la souveraineté, invite l'ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux sincères à soutenir et à accompagner nos pays dans les combats contre le terrorisme pour la réussite de la transition dans l'espace AES. Invite les populations de l'intérieur comme de l'extérieur et l'ensemble des forces vives des pays respectifs à la cohésion, à la sérénité, à la vigilance, au sursaut patriotique et à rester toujours mobilisés derrière les autorités de la transition en ces moments décisifs de notre histoire. Félicite les différentes forces de défense et de sécurité pour toutes les victoires conjointes et les initiatives en cours et les exhorte à la vigilance et à la poursuite de leurs efforts à la lutte contre le terrorisme et toute autre forme de menace. Adhère pleinement à la décision conjointe des États de l'AES, Alliance des États du Sahel, de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Réitère son soutien indéfectible à leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, colonel Assimi Goïta et général de brigade Abdourahmane Tchani, chef d'État des pays de l'Alliance des États du Sahel, et les encourage à poursuivre toutes les initiatives pour la réussite des transitions et pour la quête permanente de la souveraineté de leur pays. Fait à Bamako le 29 janvier 2024, le président du Conseil national de transition, honorable Malick Diaw, commandeur de l'ordre national.